Baba Jésus, Baba Jésus. Alléluia. Sakarabashima, Robo Soto Yababinda. Robo Soto Yababinda. Baba Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Sois béni, Seigneur, ce matin, sois béni. Ta grâce soit libérée ce matin sur nos vies, sur nos familles. Alléluia. Shababa robo sakaraba soto. Soto karabashimi robo sa. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Sois élevé, sois élevé. Alléluia. Alléluia. Jésus, sois élevé. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Comme on dit ici, bon matin à tous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je sais que ça n'a pas été annoncé ce matin, mais le Seigneur me conduit à partager sa parole, une méditation ensemble pour ceux qui sont à la maison, pour ceux qui sont confinés comme moi. Pour ceux-là à qui le Seigneur vous fait grâce de vous lever ce matin, je viens de finir la prière avec les groupes de nos sœurs qui prient en ligne. Et le Seigneur a déposé une pensée que j'aimerais partager avec vous. Sœur Philo, sois béni ma sœur. Christian Pacificateur, sois béni mon frère. Que le Seigneur vous bénisse également. Donc vous pouvez m'aider, partager la vidéo, comme cela n'a pas été annoncé. Donc plusieurs seront surpris par cette vidéo. Si vous pouvez la partager, si vous pouvez la partager s'il vous plaît. Nous allons prendre un petit moment dans la méditation ensemble et puis dans la prière ce matin. Ce matin, il y en a même qui vont nous suivre, qui vont se connecter. Le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui seront angèles ce matin, avec qui j'aimerais m'associer à eux et prier ensemble, afin que la grâce de Dieu vienne chez vous, dans vos maisons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Donc réagissez, tous ceux qui sont en ligne. Donc là, je vois. Shalom tout le monde, shalom, 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 shalom. Écrivez un mot pour que je sache qui sont en ligne. Écrivez un mot. Je vous dis shalom partout où vous me suivez. Partagez la vidéo, partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Que la grâce de Dieu soit ce matin sur tout son peuple, en France, en Allemagne, en Italie, en Grèce, dans toute l'Europe. Que la grâce de Dieu soit sur ceux qui sont aux États-Unis, la grâce du Seigneur. Sur ceux qui sont en Amérique, au Canada, la grâce de Dieu ce matin. Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin, qu'il renouvelle sa bonté sur ceux qui sont en Afrique. Jean-Michel, sois béni. On va communiquer tout à l'heure, juste après. Que la grâce de Dieu soit sur tout son peuple. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, j'aimerais prier avec vous ce matin. J'aimerais partager
la parole de Dieu. Et afin que nous puissions bien commencer cette journée. Bon, ici à Montréal, il est encore 6h53. Donc, contrairement à ceux qui sont en Afrique ou encore ceux qui sont en Europe, nos heures ne sont pas les mêmes. Nous venons de nous réveiller. À 5h, j'avais une séance de prière avec toutes nos sœurs. S'il y en a qui sont en ligne, que le Seigneur vous bénisse également. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la puissance de son sang soit libérée ce matin sur vos familles. Que le Seigneur nous fasse du bien. Alléluia. Donc partagez la vidéo s'il vous plaît. Je mérite que nous puissions attirer le maximum de personnes. Alléluia. Oui, partagez d'audia si vous pouvez mettre la vidéo sur le profil le Facebook de l'église. Partagez la vidéo. Shalom, d'audia soit béni. On vient de prier tout à l'heure avec les sœurs. Et vous allez constater que le Seigneur est en train de mobiliser son église. Partout dans le monde, beaucoup de serviteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de servants de Dieu sont mobilisés dans l'intercession, sont mobilisés dans la prière et dans des exhortations ou dans des prédications d'encouragement, parce que c'est ce qu'il faut actuellement. Nous devons mobiliser l'Église, mobiliser et fortifier tous ceux qui sont déstabilisés par ces vents qui soufflent, ces vents de ténèbres avec cette pandémie. Cette pandémie, comme vous pouvez le constater, bien aimé de la Seigneur, n'a rien de naturel. Si nous voyons ce qui arrive aujourd'hui dans le monde avec l'œil spirituel, vous allez vous rendre compte, mes frères et sœurs, qu'il y a une main noire, il y a une main des ténèbres, que les abîmes sont ouvertes pour libérer des esprits de destruction. Il ne se passe plus un jour, sans que je n'apprenne le décès de quelqu'un en Afrique, en Amérique, le décès des gens que je connais, des gens avec lesquels certains on a vécu, que l'ennemi est en train de frapper par cette pandémie. Donc il est important, chrétien, toi qui me suis ce matin, c'est de notre devoir de nous lever et de prier. En son temps, Abraham avait dit à Dieu, si tu trouves en Sodome et Gomorrhe, si tu trouves 40 ou 50 justes, vas-tu détruire? Laissez-moi vous dire, dans l'humanité, il y a plus de 40 personnes, il y a plus de 50 chrétiens, il y a plusieurs qui craignent le Seigneur, qui le servent dans la vérité. Alors, ce n'est pas dans les plans de Dieu de détruire le monde. Mais même si ce n'est pas encore la fin, tout ce que nous allons demander à Dieu avec vous, c'est d'arrêter ce fléau de ténèbres. Ce matin, j'aimerais, avant de commencer cette exhortation, que nous puissions prier. D'abord, nous allons dire merci au Seigneur, lui qui nous a réveillés ce matin, lui qui nous a donné la vie ce matin. Nous allons dire merci, parce que plusieurs ne se sont pas levés. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es abattu à cause d'une mauvaise nouvelle, peut-être tu es attristé parce que tu ne travailles pas, mais la vie est plus que ça. Salomon, le sage, a dit, il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Il ajoute, il dit, même un chien vivant vaut mieux plus qu'un lion mort. Si le son est bon, écrivez-moi s'il vous plaît. S'il y a un problème avec le son, si vous ne m'entendez pas bien, faites-moi signe. Il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Je répète encore, il y a de l'espérance. Aussi longtemps que ton cœur bat encore, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il y a de l'espérance. Donc, même un chien vivant, il peut être de petite taille, mais aussi longtemps que le chien vit. Oui, merci, le son est bon. Alors, même un chien vivant, peu importe sa taille, ce chien peut être de petite taille.
Mais parce que ce chien vit, il est préférable à un grand lion, mais qui est mort. Parce que tu vis, mon frère, il y a à espérer. Parce que tu vis, ma soeur, il y a à espérer. Il y a à espérer. Donc ce matin, je voudrais te dire, il y a à espérer. Ne commence pas la journée dans la tristesse. Ne commence pas cette journée dans le découragement. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses t'associer à moi. Ne sois pas un simple spectateur. Associe-toi à moi, mon frère, ma soeur. La grâce me dit que le son est bon. Sois béni, ma soeur. Sois béni. Le son est bon. Merci, Christian. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Qu'il soit magnifique. Nathie, sois béni, sois béni. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Donc, nous allons nous associer au Seigneur ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous êtes dans le pays où vous me suivez. J'aimerais que nous puissions parler au Seigneur ce matin. D'abord, les remercier pour la vie, les remercier pour l'être, pour le mouvement. Parce que plusieurs ce matin, certains même se sont réveillés, mais les jambes ne fonctionnent pas. Certains se sont levés ce matin, mais le dos, à cause de douleurs au dos, ils ne peuvent pas quitter les lits. Ils doivent chercher quelqu'un d'autre pour les aider. Mais toi, ton corps fonctionne. La Bible dit, en lui, en Christ, nous avons la vie, l'être et les mouvements. La vie, l'être et les mouvements. Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Alors, remercie le Seigneur avec moi. Alléluia. Shakarabasso. Nous te remercions, Seigneur, ce matin. Nous t'adorons, nous te disons merci. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce que tu as manifestée, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Merci, Seigneur Jésus, toi qui nous as protégés, endormis comme des morts ce matin. Tu as réveillé ceux qui sont en Europe. Tu as réveillé ceux qui sont en Afrique. Tu as réveillé d'abord ceux qui sont en Asie et ensuite, nous voici, nous autres en Amérique. Tu nous as levés ce matin. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Père, pour ta bonté. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te remercions, Seigneur. Reçois la louange, reçois la gloire. À toi l'honneur. À toi la majesté. Reçois, Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, vous qui êtes déjà en ligne, publiez la vidéo. Je voudrais que vous puissiez vous joindre à moi. Que nous puissions dire merci au Seigneur. Merci pour la vie. Merci, merci pour sa bonté. Vous savez, il y a un psaume que j'aime beaucoup. Dans ce psaume, David nous amène, nous pousse à nous exhorte à pousser des cris de joie à l'honneur de l'Éternel. Il dit au psaume 100, pousser des cris de joie à l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louanges. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement. Je répète, car l'Éternel est bon, et sa bonté dure éternellement. Sa fidélité de génération en génération. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons reconnaissants. Sois reconnaissant, mon frère, même si tu as perdu le travail ce matin. Sois reconnaissant si tu es en vie. Si ton cœur bat encore, sois reconnaissant. Si tu peux respirer, sois reconnaissant, ma soeur. Sois reconnaissante. Reconnais la bonté de Dieu. Reconnais la grâce de Dieu ce matin. J'aimerais que nous puissions dire merci au Seigneur. Merci, merci. Car malgré le confinement, sois reconnaissant, tu es en vie, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort dans cet appartement. Sois reconnaissant, ma soeur. Sois reconnaissante, bien-aimée dans le Seigneur. Bénis le Seigneur pour son amour, pour sa bonté. Remercie le Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Je t'élève pour ce que tu fais. Pour mes frères et mes soeurs qui sont en Europe. Pour mes frères et mes soeurs qui sont en Asie, en Océanie, en Afrique. Même dans les conditions difficiles, Seigneur, en Haïti, toi tu protèges ton peuple. Toi tu protèges, tu renouvelles ta bonté chaque matin. Ce matin, Seigneur, tu nous as réveillés. Voilà pourquoi Jésus, je viens te dire merci.
Je viens te dire merci, Seigneur mon Dieu, car certaines personnes qui me suivent en ce moment, malgré la maladie, tu continues à prêter la vie. Oui, c'est toi qui as les derniers mots sur nos vies. Voilà pourquoi nous t'adorons, voilà pourquoi nous te remercions, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'ai besoin que le nombre de personnes augmente avant de commencer l'exhortation, la pensée que le Seigneur m'a communiquée pour son peuple ce matin. Partage la vidéo. Si tu es inscrit dans des groupes, inscris cette vidéo dans tous les groupes où tu es, afin que tous ceux qui sont dans ces groupes, peu importe le lieu où ils sont, que la grâce de Dieu soit avec eux et qu'ils reçoivent, n'est-ce pas, la parole avec laquelle ils vont commencer cette journée comme les carburants, comme l'énergie nécessaire, spirituelle que le Seigneur leur accorde dans le nom de Jésus. Donc ce matin, que Dieu vous bénisse. Je dis encore shalom à ceux qui viennent de nous rejoindre, à ceux ou à celles qui viennent de se connecter. Que le Seigneur vous bénisse. David, Christelle, soit béni, Christelle Makambo. Je bénis toute ta famille dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Stélie et ton époux et tes enfants, soyez bénis dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus. Publiez la vidéo, continuez à publier. Que la grâce de Dieu soit partout dans les noms de Jésus. Que la grâce de Dieu soit à l'Europe. Que la grâce de Dieu soit en Belgique. Que la grâce de Dieu soit sur ceux qui sont en Asie. Que la grâce de Dieu, oui, soit libérée ce matin. Je prie que la grâce de Dieu entre dans ton appartement. Même si tu es confiné, tu peux quand même jouir de la grâce de Dieu. Oui, shalom, que la grâce de Dieu entre dans vos maisons. Que la grâce, je demande la grâce et la faveur de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu. La grâce et sa faveur. Sur vos enfants, sa faveur. Sur mon frère, sa faveur. Sur ceux qui sont fatigués. Sur ceux qui sont découragés ce matin. Sur ceux qui ont perdu des êtres chers. Je demande la faveur de Dieu. Je demande la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Seigneur, fortifie nos frères. Fortifie nos sœurs. Étends ta main ce matin. Étends ta main, Seigneur. Ta grâce et ta faveur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, encore shalom. Continuez à partager la vidéo. Ce matin, le Seigneur a déposé une exhortation dans mon cœur dans le texte d'Exode, chapitre 3e. Exode, chapitre 3. Nous allons lire à partir du 7e verset. Oui, Seigneur, ta grâce, Liane, sois bénie. Sois bénie, ma sœur, sois bénie. Que Dieu vous bénisse partout où vous me suivez. Continuez à partager la vidéo, s'il vous plaît. Continuez à partager la vidéo. Nous sommes dans Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, le verset 7e. La Bible dit ceci. Je vais d'abord lire, excusez-moi, Exode 2, 23. Exode 2, 23, et puis ensuite je vais lire Exode 3. Lisons d'abord Exode 2, verset 23. Exode 2, verset 23, la Bible dit ceci. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Soulignez bien, ils poussaient des cris. Ils poussaient des cris. Alors, dans Exode 3, à partir du verset 7e, la Bible dit ceci. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habite le Cananéen, les Hittites, les Amoréens, les Phérisiens, les Éphiens et les Jébusiens. Je suis dans Exode, je répète, chapitre 3, à partir du 7e verset. Lisez vraiment avec moi, faisons cette étude ensemble.
L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Bien-aimé Seigneur, ce matin, que Dieu puisse voir ta souffrance. Que Dieu puisse voir la souffrance d'une sœur qui pleure, d'un frère qui pleure, de celui qui est désespéré. Dieu dit, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu ta souffrance. Ça veut dire que les yeux de l'Éternel ne sont pas aveugles. Ce qui t'arrive, Dieu voit cela. Quand tu es abandonné, Dieu voit comment on t'a abandonné. Quand tu es trahi, Dieu voit comment tu as été trahi. Quand tu manques, Dieu voit. Dieu est au courant de ce qui t'arrive. Ce texte nous dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Ça veut dire, Dieu n'est pas déconnecté des réalités de la vie des hommes. Dieu est totalement au courant de ce qui arrive. Je répète encore, toi qui me suis ce matin, Dieu n'est pas déconnecté des réalités de ta vie. Il est au courant de tout. Il voit ce qui arrive dans ta vie. Il sait ce qui arrive dans ta vie. Je répète, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu dit, j'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance. Oh, je prie en même temps que le Seigneur puisse te voir ce matin. Que le Seigneur puisse te voir ce matin. Que le Seigneur puisse te voir ce matin. Que le Seigneur puisse voir ce que tu es en train de vivre. Que les yeux du Seigneur soient dirigés vers toi ce matin. Sur ta famille, peu importe là où tu me suis. L'Éternel s'adressant à Moïse. Dieu dit à Moïse, je suis au courant, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Donc Dieu est au courant de ce qui nous arrive. Dieu voit les atrocités dont tu es victime. Dieu voit. La Bible dit, j'ai vu la souffrance. Mais est-ce que cela est suffisant pour que Dieu agisse dans la vie des hommes? Quand Dieu voit la souffrance, la question qu'on doit se poser maintenant, est-ce que Dieu descend dans la vie des hommes parce qu'il l'a seulement vu? Est-ce que Dieu intervient dans les affaires des hommes parce qu'il a vu l'homme souffrir? La question qu'on doit se poser ce matin, c'est celle-là. Est-ce que Dieu intervient dans la vie de l'homme, dans les affaires du peuple? Tout simplement parce qu'il voit la souffrance. Est-ce que c'est la souffrance qui attire Dieu? Que Dieu descende. La réponse, nous la trouvons dans ce texte. Je vais relire. Il dit, l'Éternel dit, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans Exode 3, à partir du 7e verset. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Que plusieurs soient bénis ce matin grâce à vous. Partagez la vidéo. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu. Il y a au moins trois verbes clés importants que je vais souligner dans ces deux versets. Il y a les verbes voir. Dieu dit d'abord, j'ai vu. Donc les yeux, c'est avec les yeux que nous voyons. Donc ce qui se passe, Dieu est au courant de cela. Ce qui arrive à mon peuple, je suis au courant de cela. J'ai vu. Deuxièmement, Dieu dit, j'ai entendu les cris. Alléluia. J'ai entendu les cris. Troisièmement, au verset 8e, il dit, je suis descendu. Qu'est-ce que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur? Avant que Dieu ne descende, il ne suffit pas qu'il puisse voir la souffrance pour que Dieu intervienne dans les affaires des hommes. Non. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs qui souffrent en ce moment allaient bénéficier de l'intervention divine. Dieu n'intervient pas dans la vie de quelqu'un parce que tu souffres, non. Dieu n'a pas intervenu dans les affaires d'Israël, dans la situation dans laquelle ils étaient en Égypte, tout simplement parce que le peuple a souffert. Ce qui a fait descendre Dieu, c'était les cris. Il dit, j'ai entendu les cris. Gloire à Dieu. Dieu descend lorsqu'il voit, mais il doit entendre les cris. Dieu entend les cris de son peuple. La délivrance commence quand tu es capable de produire les cris. Ce matin, note cela.
La délivrance commence quand tu es capable de produire les cris. La souffrance d'elle-même ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens, au moment où je parle, qui souffrent, mais Dieu ne va pas intervenir. Dieu ne va pas intervenir. Dieu ne va pas intervenir. Il va voir, mais il ne va pas intervenir. Dieu descend lorsqu'il entend les cris. Voilà pourquoi l'église doit prier. Voilà pourquoi les chrétiens, tu dois t'élever et prier. Ne te limite pas, ne te limite pas à dire, ah voilà, t'es lamenté. Oh, je souffre beaucoup. On m'a abandonné. Je souffre beaucoup. Je suis seul, je suis abandonné. Ce n'est pas tes lamentations. Ce n'est pas ta douleur à elle-même qui fera descendre Dieu. Dieu doit entendre tes cris. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Dieu doit entendre des cris. Et les enfants d'Israël, les Hébreux connaissent le secret de cris. Voilà pourquoi dans Exode, le verset, chapitre 2e, au verset 23, la Bible dit que quand les atrocités ont commencé contre les Hébreux, ils ont commencé à pousser des cris. Je répète, Exode 2, verset 23. Lorsque, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Pourquoi ils poussaient des cris? Parce que les Hébreux connaissent Dieu. La Bible dit que le salut vient d'abord du Juif. Le Dieu que nous prions s'est révélé d'abord aux Hébreux. S'ils sont le peuple à qui Dieu s'est révélé, pousse des cris. Donc il y a un secret lorsqu'on pousse des cris. Quand ils ont vu que Pharaon est mort, le Pharaon qui connaissait Joseph est mort, et que l'autre est venu, il a commencé à le maltraiter pour attirer Dieu, afin qu'il descende. Le peuple d'Israël savait que Dieu voit, oui, Dieu voit notre souffrance. Dieu voit que tu es abandonné. Dieu voit que tu as besoin d'argent. Dieu voit que tu as besoin de mariage. Dieu voit que tu as besoin de la santé. Dieu voit qu'on t'a acquisé injustement. Il voit. Dieu voit que tes enfants ont besoin d'un père. Dieu voit que tes enfants ont besoin d'une mère. Dieu voit que tu as besoin d'avancer. Dieu voit toutes tes tracasseries, toutes les démarches que tu fais pour avancer dans la vie. Dieu voit. Mais il ne suffit pas de souffrir pour attirer Dieu dans les affaires des hommes. Non. Dieu ne descend que lorsqu'il entend des cris. Dieu ne descend que lorsque tu cries. Quand tu cries, c'est alors que Dieu descend. Lisez avec moi, Robo Shakarabasa. Lisez avec moi un texte dans le psaume 34. Soyez avec moi ce matin, publiez la vidéo. Le psaume 34, le verset 17. Psaume 34, verset 17. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, 18. La Bible ne dit pas que quand les justes souffrent, Dieu délivre. Non. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Gloire à Dieu. Quand le juste crie, tu ne peux pas commencer ta journée avec des soucis. Et tu penses que parce que tu te soucies, parce que tu te ronges des soucis, que directement Dieu va intervenir. Non, ma soeur. Ce matin, Dieu m'a envoyé dans ta maison par cette vidéo te dire que Dieu voit ta souffrance. Oui, c'est une chose, voir. Mais ce n'est pas le fait de voir que Dieu descendra. Ce qui fait intervenir Dieu, ce qui attire Dieu de descendre dans les affaires des hommes, c'est le cri. C'est le cri. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand le juste crie, ce sont les cris qui feront que Dieu descende dans ta vie. Ce sont les cris qui feront que Dieu intervienne pour ta situation, mon frère. Ce sont les cris qui feront que Dieu puisse vous libérer de toutes sortes de sorcelleries dont vous êtes victime. Ce sont les cris. Il faut crier à Dieu. Ce matin, tu commences ta journée, crie à Dieu. Alors que tu es confiné à la maison, ne commence pas la journée directement. Sans donner à Dieu la meilleure place, commence par crier à Dieu.
commence par crier à Dieu. Commence par crier à Dieu. Quand le juste crie, nous dit David, quand le juste crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend les cris. C'est les cris qui feront qu'ils descendent. Gloire à Dieu. Nous avons notre texte dans Genèse 21. Oh, publiez la vidéo, mon frère, ma soeur. Shalom pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Restez connectés, recevez une pensée de la part de Dieu afin de bien commencer ou continuer votre journée. Dans Genèse 21, c'est l'histoire d'Agar. Lorsqu'elle fut chassée, expulsée par Abraham, nous pouvons lire à partir du verset 17e. Genèse 21, verset 17. Écoutez ce que dit la Bible. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. » Soulignez bien cela. Agar expulsée par Abraham. Elle n'avait plus l'eau pour donner à son enfant, ni pour elle-même. Elle n'avait plus l'eau. L'enfant commençait à mourir. Et nous sommes dans Genèse 21, au verset 17. La Bible dit, Dieu entendit les cris de l'enfant. Dieu entendit quoi? Les cris de l'enfant. Dieu entend les cris, mon frère. Quand tu souffres, ne te ronge pas des soucis. Ce n'est pas à force de soucis et des inquiétudes que tu vas changer quelque chose dans ta situation. Non! Ce n'est pas les inquiétudes qui changent la situation. Ce n'est pas la dépression qui change, qui sort quelqu'un d'une situation difficile. Non. Il faut savoir comment diriger les cris vers Dieu. Dieu descend dans les affaires des hommes lorsque l'homme crie. Dieu descend lorsque les enfants crient. Ici, c'est un enfant qui va crier. Genèse 21, 17. Dieu entendit les cris de l'enfant. Dieu entendit les cris de l'enfant. Conséquence, l'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et il lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le cri de l'enfant. » Car Dieu a entendu le cri de l'enfant. Si Dieu peut entendre le cri de l'enfant avec sa petite voix, alors toi qui es adulte, Dieu va écouter ta voix. Dieu va entendre tes cris. Ce matin, Dieu veut descendre dans le combat de ta vie. Ce matin, Dieu veut descendre. Il a vu, oui. Il sait ce qui arrive dans ta vie. Il sait la situation dans laquelle tu traverses. Il sait que tu as besoin d'avancer. Tu as beaucoup d'ennemis. Il sait qu'il y a beaucoup de blocages dans ta vie. Il sait que cette nuit, tu n'as pas bien dormi peut-être à cause de beaucoup d'adversités. Mais Dieu veut que tu cries. Dieu veut que tu cries. Dieu veut que tu cries vers lui. Un enfant a crié dans le désert. Dans le désert, là où Il n'y a rien, tout est sec. Tout est sec. Mais dans les déserts, Dieu a entendu les cris. Dans les déserts, Dieu a repéré les cris de l'enfant. Et directement, parce que les cris font déplacer Dieu. C'est les cris qui font déplacer le Seigneur. Quand tu cries vers lui, Dieu alors décide de descendre. Je répète encore, c'est les cris de l'homme qui fait que Dieu se déplace. Dieu se déplace quand tu cries. Dieu se déplace quand tu cries. Ce n'est pas quand tu te lamentes. Ce n'est pas quand tu cèdes à la dépression. Ce n'est pas quand tu cèdes aux inquiétudes. Dieu descend dans ta vie quand tu cries. Quand tu dis c'est fini. Quand tu dis c'est trop. Quand tu cries, Dieu se déplace. Bartimée a crié. Jésus sortait de la ville. La Bible dit Bartimée a commencé à crier. C'est le cri de Bartimée qui en fait que Jésus puisse se retourner, malgré que les gens interdisaient à Bartimée de crier. Bartimée criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Dieu entend les cris. Dieu entend les cris. Il descend lorsqu'il y a des cris. Je répète encore, Dieu voit la souffrance, mais ce n'est pas la souffrance de l'homme qui le fait descendre. C'est les cris de l'homme dans la souffrance qui fait descendre Dieu. Je répète encore, c'est les cris de l'homme qui souffre, c'est le cri d'un enfant qui souffre, c'est le cri d'une femme qui souffre, qui fait descendre Dieu. Ce matin ne commence pas ta journée dans les regrets,
Ce n'est pas les regrets qui vont changer ta situation. Que des gens qui sont victimes, qui sont prisonniers, prisonnières des regrets. Dieu les a, les diables les a maintenus dans leur passé. Quelqu'un qui ne fait que se regretter, c'est quelqu'un qui est prisonnier du passé. Ce soir, je libère une onction spéciale. Sors de toute prison du passé. Des gens qui ne font que regretter, si je savais, si je pouvais, si j'avais. Non. Ce qui est passé est passé. Là où tu es arrivé, Dieu peut commencer une œuvre nouvelle. Mais pour que Dieu descende dans ta situation, Dieu a besoin d'entendre des cris. C'est dans la souffrance, lorsqu'on crie à Dieu, c'est alors qu'il descend. C'est alors qu'il descend. Les cris dans la souffrance, les cris dans la souffrance, fait descendre Dieu dans les affaires des hommes. Les cris dans la douleur, il y a des prières quand tu le fais. Tu sens les larmes couler. Il y a des prières quand tu le fais. Tu sens que ton cœur est déchiré. Il y a des prières. Et quand tu pries ainsi, un peu comme Anne, dans le livre de Samuel, de 1 Samuel, la Bible dit que cette femme est allée au temple. Cette femme, humiliée par sa rivale, Pénina, elle avait la douleur, il y avait une grande douleur. Elle vivait l'humiliation. Elle pleurait. Et les paroles n'arrivaient même pas à sortir. Vous savez, il y a des douleurs dans lesquelles quelqu'un vit. Les paroles ne sortent pas. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1er. Partage la vidéo, donne l'opportunité à quelqu'un d'être béni, de comprendre la pensée de Dieu pour sa journée. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 9. Note le verset. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant, Éternel, maître de l'univers. Si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et lui donne un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Écoutez bien. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres qui on entendait par sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Regardez ici une femme. Une femme qui était dans la souffrance. C'était quoi sa souffrance? Sa souffrance, c'est d'être mariée à un homme et d'être incapable de donner un enfant. Sa souffrance, c'est cette incapacité de donner la vie. Sa souffrance, c'est d'être en face de quelqu'un, d'un adversaire, d'avoir une Pénina qui, elle a beaucoup d'enfants. Toi, tu es la préférée, mais tu n'as pas d'enfant. Elle souffrait. La Bible dit qu'elle a commencé à pleurer à maman, non pas sur son mari. Elle est allée dans les temples. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que quelqu'un reçoive la révélation ce matin. C'est les cris dans la souffrance qui font que Dieu descende. C'est les cris dans la douleur qui font que Dieu descende. Il y a ce texte dans le livre de Luc, Luc 18. Je te donne le texte afin que tu le lises. Afin que tu le médites, lis-le, mon frère, ma soeur, afin d'avoir une foi biblique. Lis ce texte. Luc 18. Jésus a donné, la Bible dit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. L'heure n'est pas au découragement, toi qui me suis ce matin. L'heure n'est pas au découragement. Tu te dis que je souffre. Et maintenant, avec cette pandémie, dont ma souffrance est devenue exposant sang. Exposant 1000, l'air n'est pas au découragement. Dieu n'intervient pas dans ta vie parce que tu souffres, parce que tu dis j'en ai assez, parce que tu veux, tu commences à déprimer, parce que tu sens dans la dépression. Il y a tellement de gens qui meurent au moment où je te parle. Il y a des gens qui souffrent et Dieu voit. Et Dieu n'intervient pas. Dieu n'intervient pas. Il y a des endroits du globe où c'est difficile, la vie est très difficile. Est très difficile. Où trouver un pain. C'est vraiment un luxe. Mais Dieu n'intervient pas. Ce n'est pas la souffrance à elle-même qui attire Dieu dans les affaires des hommes. Non. Non. Ce n'est pas la souffrance à elle-même. C'est les cris de celui qui souffre. C'est les cris
que la personne qui est dans la souffrance dirige vers le ciel qui fait descendre Dieu. Oh, que Dieu descende dans ta vie aujourd'hui, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que Jésus descende ce matin dans ta maison. Que Jésus descende ce matin dans ta vie. Que Jésus descende dans ton foyer ce matin. Que Jésus change ta situation ce matin. Écoutez dans cette parabole que Jésus a donnée. Il va parler de cette veuve qui va continuer à faire des bruits, à crier. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, il y avait, nous sommes dans Luc 18, verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai de garde pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je veux lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis, qui crie, écoutez bien, qui crie à lui jour et nuit, qui crie à lui jour et nuit. Soulignez bien ce verset. Luc 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? Qu'est-ce que ceux-là que Dieu a choisi doivent faire? Ceux-là, ils crient jour et nuit. Ils crient jour et nuit. Le fera-t-il attendre? Je vous l'ai dit, il leur fera rapidement justice. Pourquoi? Parce qu'il crie. Parce qu'il crie jour et nuit. C'est le moment de crier jour et nuit, mon frère. C'est le moment de crier jour et nuit. Ne tombe pas dans l'envoûtement de ceux qui trouvent. Ceux qui ont des remarques à faire au pasteur, ceux qui ont des remarques à faire à ceux qui prient, ne tombe pas dans l'envoûtement des distraits. C'est le moment de crier à Dieu. C'est le moment où tu te lèves le matin, crie à Dieu. Tu te lèves à minuit, crie à Dieu. Nous devons faire monter des cris vers le ciel. C'est le cri qui a fait descendre Dieu l'Exode 3. C'est le cri du peuple. Les Hébreux connaissent les secrets pour activer la visitation divine. C'est les cris de l'enfantement qui feront que Dieu visite ta peuple, qui feront que Dieu visite ta famille. C'est les cris. Lisez bien l'histoire des réveils. Dans le pays de Galles, lisez l'histoire des réveils. Partout dans le monde, partout où il y a eu un grand réveil, il y a eu des gens qui se sont enfermés, qui étaient confinés quelque part et qui ont commencé à crier. Et des fois, ils ne répétaient pas plusieurs phrases. Qui ont commencé à crier. Dieu répond aux cris. Mon frère, ma soeur, l'heure est venue où tu dois arrêter de te lamenter. Tu dois arrêter de t'inquiéter. Tu dois arrêter de regretter. Même tes regrets ne changent rien. D'ailleurs, ça ronge ta santé. Ça te rend malade. Les inquiétudes rendent malade. Ça va détruire ta santé. Ça ne t'avance pas. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de crier. Dans la douleur, crie au Seigneur. Lève-toi le matin, commence à prier. Aussi longtemps, et ce que j'ai appris dans la prière, écoutez bien ce secret, ce que j'ai appris de mes aînés dans la foi, quand tu pries et que tu as un poids, un fardeau, aussi longtemps que tu ressens le fardeau, n'arrête pas de prier. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient mal. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent, j'allais dire, de la montre, au lieu de dépendre du fardeau qui est dans le cœur. Ce qui doit déterminer le temps que tu dois passer dans la présence de Dieu, c'est le fardeau que tu as dans le cœur. Et vous allez voir, certaines personnes, ils commencent à prier. Ils se disent, je vais prier 30 minutes. Mais vers la fin de la prière, Dieu dépose un grand fardeau. C'est en ce moment-là que lui, il arrête la prière. Non! C'est en ce moment-là que tu dois encore faire monter des cris vers le ciel. C'est en ce moment-là que tu dois continuer à prier. Aussi longtemps que tu sens un poids dans ton cœur, n'arrête pas de prier. Les prières qui changent les choses, les cris qui changent les choses, c'est lorsque nous prions et nous respectons la conviction, le fardeau que Dieu dépose dans nos cœurs. Tu cries à Dieu aussi longtemps que je ne sens pas la certitude. Je ne sens pas que l'ange qui est auprès de moi ne me dit pas que c'est fini. Je continue de prier.
La délivrance est totale. Qu'il y ait des gens qui pensent que tout passe par la main des pasteurs. Aujourd'hui, maintenant, on ne peut pas entrer en contact avec vous. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu dois prier. Ton enfant, si ton enfant est malade, nous tous on est confinés. Qui va venir chez toi pour prier pour ton enfant? Quel est ce pasteur? Quel est ce prophète qui va venir chez toi pour prier pour toi? Et si maintenant on décide même de couper les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu vas faire? Mon frère, ma soeur, je te donne un secret. Dieu descend parce que tu as crié à lui. Dieu entend les cris. C'est les cris qui font que Dieu descende dans les affaires des hommes. Et quand tu pries, quand aussi longtemps qu'il y a un fardeau dans ton cœur, ne sors pas de la présence de Dieu. Reste là. Reste là. Aussi longtemps qu'il y a un fardeau, reste là. Continue de prier. Continue de parler à Dieu. Continue d'intercéder pour ta fille. La situation que les hommes ne peuvent pas changer, Dieu le change, mais pas la prière. Les situations dans nos vies, que les scientifiques, que le médecin ne peuvent pas changer. Oh, mon enfant est autiste. Ma fille est autiste. Les situations dans la vie. Oh non, mon enfant ne parle pas. De telles situations, Dieu le change dans la prière. Dieu le change lorsqu'une femme prie. Dieu les change lorsqu'un homme reste dans sa présence. Ma soeur, mon frère, tes douleurs, les souffrances de ton cœur par rapport à ta situation, canalise cela vers le ciel. Par les cris que tu feras monter vers le ciel. Et c'est ainsi que le Seigneur va intervenir. Agar, dans le désert, elle a manqué l'eau, mais Agar n'a pas crié. Agar n'a pas crié. Revenons sur ce texte. Dans Genèse 21, Agar n'a pas crié. Mais Isaac, qui avait le sang d'Abraham, l'enfant a compris prophétiquement qu'il fallait crier. La Bible dit, Genèse 21, à partir du verset, on peut même commencer, remonter. À partir du verset 14e, Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qui donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'est perdue dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc. Car elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et s'est mise à pleurer tout haut. Et Dieu entendit les cris de l'enfant. Écoutez bien, la maman ne comprend pas les secrets. Agar laisse l'enfant, elle va pleurer à côté. Non. Dieu ne répond pas dans ta vie. Dieu ne descend pas dans ta vie parce que tu t'es trop lamenté, parce que tu as simplement pleuré. Oh moi, ma vie, je tourne en rond. Ma vie, je suis vraiment maudite. Non, mon frère, ma soeur, tout ce qui change l'histoire de leur vie, ce sont des gens qui ont pris, qui ont été caractérisés par un certain courage. Ils ont compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Ils ont compris dans les moments difficiles qu'est-ce qu'il fallait faire. Agar a laissé l'enfant. Elle s'est dit non, il va mourir. Je ne vais même pas regarder comment l'enfant va mourir. Mais au verset 17, Dieu entendit les cris de l'enfant. Ismaël lui-même a dit non, j'ai le sang d'Abraham. Même si je ne suis pas le fils de la promesse, j'ai le sang d'Abraham. Il a crié. L'enfant a crié. Et la Bible dit, Dieu a entendu les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui a dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant. » Là où il se trouve. Donc même les cris a permis qu'on les localise. Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Oh, que Dieu te localise ce matin par ta prière matinale. Que Dieu te localise, je prie que Dieu te localise. Que Dieu intervienne là où tu te trouves. Que Dieu intervienne dans la maison où tu te trouves. Que Dieu intervienne dans le pays où tu te trouves. Que Dieu intervienne dans l'état où tu te trouves. Que Dieu intervienne par tes cris. Que Dieu descende dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Que Dieu intervienne dans ta vie, dans les lieux où tu te trouves. La délivrance vient lorsqu'on crie. Jéricho est tombé grâce au cri. Dieu a donné aux enfants d'Israël comme secret. Faites les tours pendant 7 jours. Et le 7e jour, faites 7 fois les tours. Au 7e fois, criez. Criez, c'est en ce moment-là que Dieu va descendre. Alléluia. Dieu a dit, faites les tours. Faites les tours. Pendant 7 jours, lorsque les enfants d'Israël tournaient tout autour de Jéricho, la Bible dit, il les faisait en silence. Il les faisait en silence. Nous sommes dans le livre de Josué 6. Oh, que la gloire de Dieu vienne sur toi ce matin. Je prie que la gloire de Dieu entre dans ta maison ce matin. Toi qui étais fatigué, sois fortifié ce matin. Toi qui avais peur, sois fortifié ce matin. Dans les noms de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Josué 6. La Bible dit ceci. À partir du premier verset, Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Oh Dieu magnifique. La Bible dit, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'entrait et personne n'en sortait. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho. Donc même ce que le diable a enfermé, même là où le diable a barricadé, si Dieu veut te le donner, ce territoire-là, Dieu veut te l'accorder. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Même là où la dimension, le niveau de la vie, que le diable a dit que toi, tu ne vas jamais accéder. Il a barricadé, il a mis ses soldats, il a mis ses démons. Il a dit que toi, tu ne vas jamais accéder à ce niveau. Ce qui est barricadé, barricadé pour les hommes. Ce qui est protégé, protégé contre les hommes. Mais Dieu est capable de te livrer ce qui est barricadé par le diable. Dieu est capable de te livrer tout ce que le diable a barricadé. Que Dieu te livre le niveau que l'ennemi a barricadé, que l'ennemi a fermé la porte à toutes les femmes de ta génération, à toutes les femmes de ta lignée, à tous les hommes de ta famille, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho. Je livre entre tes mains Jéricho. Le texte continue. Faites le tour, verset 3, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. Ces prêtres porteront cette trompette retentissante devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera quoi? Des grands cris. Alors la bière de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Donc Dieu dit à Josué ici, vous allez le faire le tour. Vous allez faire le tour. Pendant 7 jours, prophétiquement, faites seulement le tour. Que l'onction prophétique vienne dans ta vie. Nous avons un Dieu prophétique. Ce qui est magnifique avec le prophétique, quand tu reçois la révélation de ce que Dieu veut que tu fasses d'une manière prophétique, cela n'est peut-être pas en lien avec les problèmes, parce que les prophétiques, un acte prophétique n'est pas forcément lié à ce que tu veux faire. Un acte prophétique est différent, d'un acte de foi. Dans un acte de foi, on dit à quelqu'un qui ne marche pas, on lui demande de s'élever, de faire un mouvement par rapport aux besoins qu'il a. Mais un acte prophétique, tu le poses, apparemment ça n'a pas de lien avec ce que tu recherches. Quelqu'un qui veut prendre possession d'une ville, on lui demande seulement de tourner. Oh, que Dieu libère une notion prophétique dans ta vie ce matin. Que le prophétique vienne dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que les prophétiques viennent dans ta vie. Soyez un couple prophétique. Sois une sœur prophétique. Une sœur qui comprend quand Dieu lui dit de faire quelque chose. Quand Dieu te dit, par exemple, chaque matin, va t'agenouiller dans un coin de ton salon. Sois prophétique.
Ne pose pas des questions. Pourquoi Saint-Esprit? Va d'abord. Le Saint-Esprit n'aime pas trop de questions. Va d'abord, obéis. Fais d'abord ce que le Seigneur te demande de faire. Fais d'abord ce que... À Philippe, l'Esprit lui a dit, approche-toi de ces chars, sans que Philippe ne sache pourquoi. Il a d'abord obéi. Sois prophétique, obéis. Dieu va dire à Israël, soyez prophétique, tournez tout autour de la ville. Le septième jour, faites sept fois le tour. Physiquement, ça devait être épuisant. Une ville que vous devez tourner. Imaginez, faire le tour, par exemple, de Montréal. Hein, souvent, il y a ce qu'on appelle le tour de Montréal ici. Hein, les cyclistes le font l'été. Je ne sais pas s'ils vont le faire avec ces histoires ici, là, de pandémie. Mais là, ce n'est pas avec des bicyclettes. Ça, ce n'est pas avec des vélos. À pied. Donc, ça veut dire, quelque part, quand tu fais la délivrance, il y a un prix à payer, ma soeur. Il y a un prix à payer, mon frère. Il devait marcher pendant sept jours. Et le septième jour, il devait faire sept fois le tour. Et le dernier tour, il devait maintenant pousser les cris. Quand Dieu a entendu les cris, Dieu maintenant a descendu. Dieu a écroulé. La Bible dit, la terre s'est ouverte, la terre a avalé le mur. Le mur ne sont pas tombés. Le mur de Jéricho, la muraille de Jéricho n'est pas tombée. La muraille a été avalée par la terre. Par quand, grâce à quoi? Grâce au cri du peuple. Quand le peuple a crié, Dieu a avalé, Dieu a ordonné à la terre d'avaler la muraille. Oh, que la terre avale tes souffrances ce matin dans le nom de Jésus. Grâce à tes cris, que Dieu avale, que Dieu absorbe tes souffrances, que Dieu absorbe tes blocages, que tout ce qui te bloque soit absorbé par la terre, soit absorbé par le Seigneur. De la même manière que la muraille a été absorbée dans la terre, que le Seigneur entende tes cris ce matin, que Jésus entende tes cris et que tes douleurs soient absorbées par le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare à mon frère, ma soeur, dans ta vie, que la grâce de Dieu change ta manière d'agir. Ne sois plus une femme, ne sois plus un homme qui passe son temps à se lamenter. Ne sois plus un plaintif. Ne sois pas un homme, une femme désespérée alors que tu as le Seigneur. Tu ne peux pas être un chrétien et être désespéré, non. Il n'y a pas de désespoir en Christ. Je répète, il n'y a pas de désespoir en Christ. Comprends le principe divin. Et Dieu est prêt à descendre. Non pas parce qu'il t'a vu souffrir. Dieu descend lorsqu'il te voit crier dans la souffrance. Et ce sont tes cris qui feront que Dieu descende. Et qu'il puisse avaler tes problèmes. Qu'il puisse avaler, comme il a avalé la muraille de Jéricho. Dieu va avaler les blocages. Dieu va avaler, absorber la sorcellerie de ta famille qui empêche que tu puisses te marier. Oh, je déclare ce matin sur toutes les sœurs qui me suivent, sur tous les hommes célibataires, malgré cette pandémie, il y aura beaucoup de mariages qui seront célébrés cette année. Je le déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le miracle de Jéricho qu'on a posé spirituellement pour que tu ne passes pas à un second niveau de ta vie, pour que tu ne changes pas de standard de vie. Je déclare que Dieu t'a livré Jéricho. Malgré que Jéricho est barricadé, Dieu t'a livré Jéricho. Malgré que Jéricho est entouré par une muraille, Dieu t'a livré Jéricho. Et je déclare par tes cris, Dieu va absorber tout ce que le diable a mis comme dispositif, comme mesure pour t'empêcher de passer au second niveau. Je déclare dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Par tes cris, Dieu va absorber cela. Par tes cris, tu passeras au second niveau, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une onction spéciale vienne sur toi ce matin. Qu'une grâce spéciale vienne sur toi ce matin. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus. Toi qui es un peu découragé, peut-être tu me suis, tu es malade, reçois la guérison, tu ne mourras pas. Il y a beaucoup de gens, dès qu'il a mal à la gauche, il commence à perdre corona, tu ne mourras pas. Toi qui me suis ce matin, tu ne vas pas mourir. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu peux rire de cette corona. Dis, je ne vais pas mourir. J'ai une mission à accomplir. Je ne vais pas mourir. J'ai des âmes à gagner. Je ne vais pas mourir. J'ai des âmes à amener dans la maison de mon père. Je ne vais pas mourir. Je représente beaucoup pour les intérêts du royaume. Je ne vais pas mourir. Dieu n'a pas fini encore avec toi, mon frère. Dieu n'a pas fini encore avec toi, ma soeur. Tu vas vivre. Et dans la douleur, dirigeons le cri vers le Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus. J'aimerais prier avec toi ce matin avant de nous séparer.
Déclare seulement avec moi cette parole avant de nous séparer. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci Seigneur car tu as vu ma souffrance. Ce matin, tu as vu mes douleurs. Mais ce matin, je dirige vers toi mes cris. Je dirige vers toi ma prière. Écoute ma prière, Seigneur. Et descends dans ma situation. Sauve mon mariage. Sauve ma famille. Délivre mes enfants. Délivre ma fille. Délivre mon garçon. Délivre mon mari. Délivre ma femme. Délivre mon pays. Entends mes cris ce matin. Descends et agis. Tu as dit dans ta parole, dans le psaume 34, quand le juste crie, l'Éternel entend. Je crie à toi ce matin. Je crie à toi ce matin. Entends mes cris et descends dans les noms de Jésus. Viens changer ma situation. Je dépose à tes pieds mes fardeaux. Je dépose à tes pieds mes douleurs. Je dépose à tes pieds, Seigneur, mes craintes. Entends mes cris. Réponds, Seigneur. Réponds favorablement. S'il te plaît, Seigneur, change ma situation. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le secret, c'est de savoir que Dieu ne répond pas aux affaires des hommes parce que tu souffres. C'est les cris de l'homme qui souffre qui font que Dieu descende. Pour ceux qui nous ont rejoint, le texte de base, c'est Exode 37, 7 à 8. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, ensuite je suis descendu. C'est les cris de celui qui souffre qui attire Dieu. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. C'est les cris de l'Église qui feront que Dieu descende dans les nations afin que cette pandémie soit éradiquée. Je vais reparler à tous les enfants de Dieu. J'ai fini mon exhortation. Mais écoutez ceci. Il est l'heure que les chrétiens se réveillent. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui servaient le Seigneur, qui ont abandonné. Je vais lancer un appel aux chrétiens rétrogrades. Reprenez les armes. Reprenez les armes, mes frères. Reprenez les armes, mes sœurs. Les jours sont mauvais. Nous sommes entrés dans une décennie dangereuse. La décennie où nous sommes actuellement, c'est une décennie dangereuse, mes frères. C'est une décennie dangereuse. Le monde des ténèbres a une mission. Et Dieu a établi déjà un calendrier. Et la mission du monde des ténèbres ne font qu'accomplir ce que Dieu avait déjà prédit. Là déjà, j'ai vu un article, certains l'ont même vu. On est en train de parler déjà que ce virus peut revenir dans certains pays, même durant l'été. Donc même quand tout le monde refuse les vaccins, là, ils chercheront par tous les moyens comment imposer aux hommes ces vaccins. Nous sommes en train d'entrer dans une période dangereuse, ou même dans le pays où il y a la démocratie, vous voyez que la liberté des citoyens sont limitées. Il faut que les chrétiens ouvrent les yeux. Il faut que les lecteurs de la Bible retournent aux Écritures. Voilà pourquoi je lance un appel aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, qui sont passés de l'autre côté, qui servaient le Seigneur autrefois, qui sont devenus des donneurs de leçons, qui sont découragés. Reprenez vos armes, mes frères. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Dieu ne permettra pas que l'Antichrist, que le monde soit embrasé par l'Antichrist pendant que les chrétiens sont sur la terre. Le monde va connaître ce qu'on appelle la grande tribulation. Des périodes difficiles, des périodes compliquées. C'est dans cette période-là, d'après les prophéties bibliques, que l'Antichrist viendra s'installer à Jérusalem, dans les temples. Parce qu'il viendra comme un sauveur avec une solution. Mais toutes les prophéties bibliques sont d'accord que l'Église doit d'abord être enlevée. Donc l'événement dans lequel nous préparons, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi j'exhorte à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui étaient chrétiens, qui ont abandonné, tous ceux qui commencent à critiquer l'Église, à insulter les frères chrétiens, à insulter les pasteurs, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas vos adversaires. Rejoignez-nous vite, vous devez nous rejoindre vite, vous devez revenir, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. L'heure est venue où nous tous, nous devons nous tenir dans les mains comme un seul homme et faire monter les cris vers le ciel. Regardez aujourd'hui, aucun pasteur n'est dans son église. Aujourd'hui, nous comprenons bien la notion de l'église parce que nous tous, nous sommes obligés d'être à la maison. Aujourd'hui, l'esprit secteur, cet esprit qui animait nos cœurs, cet esprit qui nous poussait à la comparaison entre nous, hommes de Dieu, entre nous, serviteurs de Dieu, entre nous, chrétiens, cet esprit vient de tomber.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus se réunir entre les quatre murs. On ne peut plus se réunir dans les temples. Aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes un. Et cette unité est spirituelle. Cette unité-là n'est pas physique, elle est spirituelle. Nous sommes un dans le Seigneur. Tous les chrétiens du monde, ceux qui sont en Chine sont nos frères. Ceux qui sont en France sont nos frères. Même s'ils ne viennent pas prier, adorer dans les mêmes bâtiments que toi, ce sont des frères. Ce sont nos frères. Même s'ils n'ont pas la même couleur que toi, ce sont nos frères. L'heure est venue au grand rassemblement chrétien. Dans le spirituel, nous devons nous lever et faire monter des cris vers le Seigneur. Je parle comme prophète de l'Éternel. Tous ceux qui sont tombés, revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Et certaines personnes, vous êtes en train de voir comment les gens meurent. Comment les gens sont en train de mourir. Il y a des esprits de mort qui sont libérés. Certains esprits sont libérés depuis la sorcellerie de certaines familles. Et ils sont en train de régler les comptes à plusieurs, profitant sur l'enveloppe de cette pandémie. On est en train de retrancher beaucoup de gens, même ceux qui sont appelés serviteurs, s'ils sont appelés servants de Dieu. Donc l'heure est venue où nous devons, bien aimer dans le Seigneur, soigner notre relation avec Dieu. L'heure est venue où nous devons crier réellement au Seigneur, où les vrais chrétiens seuls peuvent triompher. Que la grâce de Dieu vienne sur vous dans le nom de Jésus. Diffusez ce message, partagez cette vidéo. L'heure est venue au réveil spirituel. Nous devons nous lever dans la prière. Et ce sont nos cris qui feront descendre Dieu en Europe. Ce sont nos cris qui feront descendre Dieu en Amérique du Sud, dans les Antilles. Ce sont nos cris à nous chrétiens. Parce que Dieu a vu la souffrance. Mais pour que Dieu descende, il faut que nous puissions crier. Alors commençons à crier ce matin. Prends un temps dans la prière seul. Prends un temps. Si dans ton église il y a un programme de prière, joins-toi à tout le monde. Ne te mets pas à l'écart. Ceux qui se mettent à l'écart, la Bible dit, ils cherchent leur propre gloire. Ne cherche pas ta gloire. Ce n'est pas le moment de reprocher à qui que ce soit quelque chose. Oh non, on ne m'aime pas. Et c'est fini avec les caractères d'enfants chrétiens. Voilà. Arrêtons avec l'enfantillage chrétienne. L'heure est venue où nous devons être des chrétiens matures. Comprenez, lisez les signes des temps. Passons aux choses sérieuses. C'est la prière, c'est la plus question de dénomination, c'est la plus question de 4 000. Nous tous, nous sommes affectés par ce qui arrive. Nous comprenons bien, aimé le Seigneur, que nous devons prier. Nous devons crier à Dieu. Cette pandémie a un esprit terrible derrière cette pandémie. Il y a un esprit terrible derrière cette pandémie. Et c'est seuls les chrétiens, nous pouvons prier afin que Dieu arrête, afin que Dieu fasse passer ce fléau de malheur. Et que tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont malades, qui soient guéris. Et que la vie reprenne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je dis ce matin parce qu'à Montréal, il est encore 8h05. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, rendez-vous avec moi ce soir à partir de 18h. L'heure de Montréal, nous serons en direct sur YouTube. Il y a d'autres enseignements que j'aimerais vous inviter à les suivre, que j'ai donné hier ou avant-hier dans notre compte YouTube. Vous n'avez qu'à taper Centre Montagne Sainte sur YouTube. Cliquez sur abonnez-vous. Vous allez trouver plusieurs enseignements, plusieurs temps de prière. Le Seigneur vous bénira. Je bénis tous ceux qui sont en Afrique en ce moment. Que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu vous protège. Je prie pour tous ceux qui sont malades en Europe, aux États-Unis. Mes soeurs, mes frères des États-Unis, que Dieu vous fortifie. On est en train de dénombrer plusieurs personnes qui sont décédées hier aux États-Unis par cette pandémie. Que la main de Dieu soit sur vous, dans les noms puissants de Jésus. Et de l'autre côté aussi, chrétiens, respectons les mesures qu'on nous a imposées pour l'instant de rester confinés à la maison. Ne blaguez pas, s'il vous plaît. Cette histoire, c'est du sérieux. Ça tue sérieusement. Nous devons avoir la sagesse, mais aussi dans le spirituel, nous devons crier à Dieu. Afin que le changement, la solution vienne. Parce que la solution passera par l'Église. C'est la colonne et l'appui de la vérité que Dieu a laissé sur la terre. Que Dieu vous bénisse chez vous. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Rendez-vous pour ceux qui le pourront à 18h, l'heure de Montréal. On sera en ligne. Soyez bénis, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.